toutes et à tous les gens, c'est Fanny Bateau 17, comment allez-vous? Moi ça va plutôt nickel. Comme les gens, on se retrouve aujourd'hui avec... Rétro-vive pour une bouchée. Et oui, quand c'est rétro-vive, sauf exception quand on est trois. Mmh. Voilà. C'est un son versus... Le retour de cette série. Alors, on va rapidement expliquer pourquoi il n'y a plus d'épisodes de cette série. Pourquoi? De 1, tu n'es pas souvent disponible. Oui, ben je travaille, hein, désolé. De 2, on n'avait pas d'idée. Oui. Oui, ça c'est la bonne excuse. De 3, il y a eu plein de jeux qui sont sortis, Go Vacation. Et tout plein, et tout plein, et tout plein. Voilà. On a quand même fait un live l'autre jour, c'était pas vraiment un seul versus date, c'était un Trackmania. Test, oui, oui. C'est, voilà. Sur la vie. Et donc voilà, on est de retour, alors on va peut-être avoir, on va faire, on est donc aujourd'hui sur Mario Kart 8 Deluxe. Ouais. On a voulu, on s'était dit que Mario Kart 8 Deluxe, on y ferait à la fin, on va dire, de la première année. Mm-hmm. Au final, on a dit, on va le faire maintenant, comme ça, ça va nous permettre vraiment de reposer les bases. Pourquoi tu mets en solo? Il est gentil, il veut pas que je joue finalement. Je suis juste venu là pour parler dans le micro, c'est ça. Tac, elle est pas trop chargée. Vas-y, choisis ton personnage. Comme ça, la nouvelle ligne de Breath of the Wild. Alors, je l'ai pas pris, donc on va le prendre. Alors, on sait pas trop combien de courses on va vous faire. On penche sur un grand prix, mais on verra ce que ça va donner. Je ne sais pas qui prendre, hein, franchement. Allez. Regarde que t'es bien le truc pour tourner. Ah oui. Comment je fais pour savoir si j'ai le gyroscopique, parce que moi je suis un peu archaïque. Oh là, c'est bon. C'est bon. Ah là là là. T'as vu, tu auras comme tu veux. Oui, 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 oui. J'y ai pas beaucoup joué à ce Mario Kart. Non. Un petit 150cc? Normal. Chacun pour soi, normal. On fera peut-être une bataille à la fin, là, pas du tout. Ouais, ouais, on verra, on verra. Donc voilà. On choisit nos grands prix ou on fait une vraie coupe? On choisit. Bah alors c'est toi qui choisis le premier? Ouais, je sais pas trop. Donc tu sais, j'ai beaucoup de circuits que j'adore sur ce jeu. Alors je vais vous dire une chose. Aujourd'hui nous sommes sur Mario Kart 8 Deluxe, je vais y arriver. Mmh. Et un jour on sera peut-être sur Mario Kart et là, ça sera plus la même. Oui, Mario Kart 8, ça... Voilà, on verra. Quoique, j'ai beaucoup augmenté de niveau depuis la première fois que j'ai joué, c'est-à-dire il y a très longtemps. Ouais, mais qui c'est qui a fait la plupart des records au départ? C'est moi, hein. Ouais, avant que Nigla fasse son assez garde. Voilà, après on a pratiquement tout fait. Alors, dites-nous si ça vous intéresse à un sorte de Sun vs Dad en live, où on va en contre la montre sur ce Mario Kart, un autre, et on vous fait... on vous fait un petit versus en fait qui fera les meilleurs tours sur certains circuits. Ouais, dites-nous si ça vous intéresse en commentaire. On fera avec plaisir. Alors, j'ai dû faire qu'une course avec ce personnage. J'ai le truc, oui, ça va, j'ai l'antenne. Merci. Oui, t'as l'antenne, oui. Merci, merci de m'aider. Voilà, parce que Mario Kart 8 Deluxe, il est pas très bon, t'es trop vieux. Hein, j'ai surtout pas beaucoup joué. Hein. Oui, bah après t'as eu Mario Kart 8 pour t'entraîner, mais vu qu'on est sur les mêmes bases que Mario Kart 8, ça va pas énormément. Désingué. Mince, accélère mon petit, tu joues quoi là? En plus, là je t'ai choisi un des circuits dans lequel je suis plus bon, la preuve je tombe. Plus bon, c'est bien français ça, le plus bon. Le plus bon. Alors, on a eu un très gros stress juste avant. Oui. On a cru tout simplement que l'ordi portable qui me sert à faire les vidéos sur console, me sert à tout, sur lequel il y a le logiciel pour que je puisse tourner les vidéos sur console, ne reconnaissait plus le périphérique USB du Game Capture. Donc du coup, bah ouais, j'ai stressé, voilà. Et au final, T'avais juste branché? Il avait juste branché, donc il avait juste branché le une sur la haute et ça marchait pas. J'avais juste branché les... Allez, ça snipe! J'avais juste branché... Ah, j'en ai eu un! Et du G. Le mec, il est en gyroscopique, il tourne quand même avec... J'ai toujours pas compris comment... Bah, ça peut, il me semble que ça marche un peu.
Oui, je pense. Alors, tu sais qu'il y a une cut où tu as un saut et par contre, faut que tu passes dans le vide, hein, si tu veux. C'est Mario Kart, quand même, tu sais, parce que si tu commences à une place, tu n'arrives pas à gagner de place, moi, je vais te faire remarquer. Bah, c'est pas comme Mario Kart Wii, où Mario Kart Wii était beaucoup basé sur la chance, c'était vraiment le jeu où... T'as qu'à dire que je suis bon à Mario Kart Wii parce que c'est basé sur la chance aussi. Faut arrêter un peu les plaisanteries. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et ce que je veux dire, c'est que... C'est que Mario Kart Wii, n'importe qui peut gagner s'il a un peu de chance. Voilà, il n'y a pas énormément de skill, contrairement à celui-là. Et c'est quelque chose qui a déplu dans Mario Kart Wii, moi ça m'a pas déplu. Une blue shell, voilà, oui, super. On ne rigole pas, merci. Huitième, et voilà. Alors, on parie sur un combien pour ce match, pour ce seul versus Dan Lotto. Bah, tu vas finir à 60 points, je vais finir avec 15 points. Avec ça. Allez, c'est parti. Deuxième course. Qu'on joue à vos vacations, non, il volera après. Hein. Oh mince! Ça, c'est pas normal. Alors, attendez deux secondes. Alors, excusez-moi s'il y a un cut au moment-là de cette vidéo. C'est qu'il y a un fichu contrôle parental sur ma téloche. Et que bien sûr, il m'a gêné. Vas-y, à toi de choisir. Bah oui, mais je peux pas choisir. Hein. Tiens, prends une manette. Attendez, je connais pas bien les trucs, hein. On va faire une route arc-en-ciel. Ça, c'est les DL, c'est les cartons que je... Non, t'as appuyé sur B. Ouais. Tiens. Ah. Allez, coupe à police. Comme on l'a dit dans le... Comme je l'ai dit dans l'épisode 10, c'est le pire circuit que j'ai jamais fait de Mario Kart. Ah bah, j'ai bien fait de le choisir. J'ai choisi au pif. Au pif, au maître. Tu sais qu'il y a un virage qui est super... Ah oui, oula, oui, j'ai bien choisi. Celui où tu sors... Ouais, mais ça va, j'ai l'antenne. Ouais, toi, ça va. Vas-y, après, je choisirai juste une route arc-en-ciel pour le... Voilà, j'ai pété le moteur. Moi aussi. Voilà, allez-y, dites que je suis un noob. Voilà. Comme vous le savez, je suis pas forcément... Ça y est, pourquoi je drift à l'envers? Oula, oula, on est sous la pluie, rétro. Vive. Par contre, je vais peut-être balancer ça en arrière, je vais retrouver. Hop là! Alors. Ouais, voilà. Bah, ça va. C'est en 200cc que c'est un peu l'horreur. On pourrait se faire une course en 200cc. Et bien! En quoi? Quoi? Le 200cc hier en versus là comme ça? Oui, il y a tout. Ah bah on sait faire une petite 200cc là. Allez, on vient dans le jeu là. Bon, j'ai pas d'objet, c'est légèrement dangereux. Oh, y'a, je me suis fait croquer. Par une plante piranha. Oula. Harmony elle est pas si loin, comme vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais j'adore Harmony, c'est mon personnage préféré. L'un de mes personnages préférés avec mon mini évidemment et... Oulala. Avec mon mini et Morton. Morton c'est parce qu'il est bon hein. J'aime bien aussi Funky, mais ils m'ont pas mis parce que trop cheaté, alors moi ce que j'avais proposé c'était de... Juste de le remettre mais de baisser un peu ses stats, mais bon. L'autre il est direct sur les carapaces vertes. Pour l'instant je suis à une honnête 6ème place, c'est mon niveau. Bah allez, je t'ai envoyé un petit héros à bout. Non il est pas pour moi en fait. Arrêtez de me donner des pièces là. C'est Hideki Kono qui a trafiqué pour bon j'ai que des... Ah, enfin... Et d'ailleurs je suis en train de lire. Un livre sur l'histoire de Mario Kart. Ouais, une très belle revue Play Histoire sur l'histoire de Mario Kart qui est sympa à lire. Ouais, il y a plein d'anecdotes. Voilà. Donc, on vous conseille de l'acheter. Je sais pas s'il est encore en magasin. Il y était encore il y a quelques semaines. Alors, c'est vrai que je suis pas du tout une OP sponsorisée, hein, c'est plus que bon, bah voilà. J'aime bien ce livre.
Alors tous les trucs que je vais vous proposer, ce ne sera pas forcément des OP sponsorisés parce que... Rappelons que Marcus vient de sortir un nouveau livre. Oui. C'est 100 jeux préférés. Ah oui, c'est vrai. Bah c'est pas... C'est les 100 jeux qu'il faut posséder en fait. Voilà. Et voilà, donc j'avance tranquillement, 6 plus 5. Et R.I.P. chez Marcus. Voilà, R.I.P. No Life, c'est plus. Moi c'était une émission que j'aimais beaucoup. Je pouvais plus regarder parce qu'on avait changé de prendre sur télé. Mais D'ailleurs Marcus, si tu nous regardes, hein, on a une pensée pour toi. Merci pour la retard en ciel, merci. Merci, alors qu'on avait une minute nostalgie, mais non, tout de suite. La cruauté de la vie revient. Désactivons, non, merci, non. On va rien désactiver du tout. Et si on va refaire suite en bas, on refera la même, t'auras pas l'antenne. Bah oui. Merci au créateur de Mario Kart 8 Deluxe d'avoir mis l'antenne. Mince, c'est juste d'appuyer. En fait, j'ai envie d'appuyer comme sur les jeux de voiture avec le RT. Non, le ZR. C'est le ZR, pardon. Sur la Switch. Oh, ici avec les drapages. Voilà, avec les dérapages violets, c'est l'horreur, avec les motos aussi. Eh, je suis là. Attends, il y a une carapace verte, hein. Tu te calmes, tu me snipes pas. Oui, je ne te snipe pas, en effet. Un peu de respect pour ton père, quand même. Bah, je vous dis, il n'y a plus de respect. Hein. Oh non, j'ai lâché ma... J'ai pas... J'ai... Purée de 21e siècle, il n'y a plus de respect. Donc oui, moi, je propose un truc à Marcus, mais il va sûrement pas le faire, et puis il va sûrement pas écouter cette vidéo. C'est tout simplement de refaire des chez Marcus, mais sur Game One, si tu y es encore, si je me souviens bien. Oui, mais je pense que c'est pas le but du jeu. Ou alors les faire sur YouTube. Ça aura peut-être du succès au bout d'un moment. Hop. Je sens que Peach... Oh, j'ai eu quelqu'un. Non, c'est moi. Oh, toi, tu t'es... Snipé. Et voilà. Elle n'est pas la bleue de la mort. Merci l'antenne, qui me permet de rester en vie. Finalement, l'antenne est peut-être ce qu'il y a de meilleur dans ce jeu-là. Pourquoi je drifte dans le mauvais sens là? C'est un moment incroyable de place. Non, le truc qui a de meilleur dans ce jeu, c'est un mode bataille. Oh, mais c'est double snipé. C'est le mode multijoueur, enfin bataille plutôt, qui a été vachement amélioré. Allez, dans le bon sens! Parce que sur mon cartouche, on n'avait pas un vrai mode bataille. Enfin, si, on en avait un, mais c'était, il n'y avait pas plus. Ah, jeu. Une blue shell! Ouais, mais elle est pas pour moi. On va poser une petite bombe, une banane. Ah non, des pièces. Hop, oups. Bah, là, j'en ai marre. Ouh, j'ai frôlé le bord. Ce que je comprends pas, moi, je sais que tu commences toujours bien, tu finis toujours dans les sixièmes. Il y a aussi une logique. Étrangement, moi, ça n'arrive pas. Je comprends pas pourquoi. J'aurais bien aimé faire un petit podium. Allez, j'aime bien ça. Oh non, je me fais sniper tout de suite alors que j'étais 2. Je passe 4. Ça sent quand même la grosse arnaque. Oh non. Oh la boulette. Oh la boulette. Hey, 20 points, tu vois, j'avais dit 15, c'est mieux que ce que je pensais. Ouais. Allez, faut pas que je me trompe. Vas-y, passe les circuits en vue, je vais te dire lequel je veux. Okay. Je veux celui où on descend sur la neige. Ok, descend du vrai. Celui-ci, là ? Ouais, il m'amuse, celui-là. Sachant que c'est une des nouveautés de... Non, c'est pas une nouveauté de Mario Kart, circuit à plusieurs étapes. Non, c'est on l'a vu, c'est dans Mario Kart 7, hein, je crois, sur 3DS. Hein. Non, 3DS. La 3DS, et alors, sur dessus, il y a un circuit que j'aime... Dans le décor j'aime beaucoup sur Mario Kart 7, malheureusement je peux pas l'avoir. Bien, j'ai vu des vidéos et il y a un circuit que j'aime beaucoup au niveau décor, c'est le circuit de l'île Wookie qui est en étable justement comme ça. Et beaucoup de gens le décor. Oh, l'item du crétin. Alors il y a. Alors pourquoi les gens le détestent? De un, parce qu'il est très long, ça j'avoue. Et de deux, c'est que si tu connais le glitch. Tu réussis à le faire, c'est bon, t'as gagné. Voilà, c'est... Oh, ouais, arrête
arrêté de me sniper là, j'ai rien demandé moi. Oh, bon, moi j'ai fait le 4, hein. Tu me permets, mais... Ben, moi je le fais pas, hein, parce que j'ai le... L'antenne. J'ai l'antenne. Merci l'antenne. D'éviter de te faire foirer sur des... Ben, pourquoi elle est partie en arrière, ma... T'aurais pas appuyé sur le joystick en arrière? Ben non. Youhou! Oh, je vois rien. Ah, merci l'accélérateur. C'est toi qui l'avais envoyé, le boost. Bah, non. Ouais. Mais arrêtez de me doubler, là. J'en ai ras-le-bol. Passons. Alors, pourquoi il y a eu beaucoup de vidéos sur la Wii U, tiens? Ah oui. Tu joues plus à la Wii U. Il y a une... Voilà. Et tu... Deuxièmement, j'ai... Je sais pas quel jeu vous faire en fait parce que. Ah, oh, on pourrait faire des Mario Party, des trucs comme ça quand même. Ouais, voilà, des petits jeux sympas. On... Moi je. On n'a pas fait Nintendo Land, on pourrait le faire. On pourrait faire une compétition de mini-jeux. Ouais. Celui qui en gagne le plus, sur 10 ou sur. Je sais pas, 15. On pourrait se faire ça, ça pourrait être sympatoche. Ouais, mais. Ouais, bah tu perdrais, donc c'est pour ça que tu peux pas le faire. Non, non, mais voilà, je vous prends en témoin, messieurs dames. C'est pas que je veux pas le faire, c'est que... On l'a dit. Il a peur. On a déjà fait ces jeux, et au final, beaucoup des jeux que j'ai sur ma Wii U, à moi, sont faits et refaits. Et c'est pas forcément original, et... Oh, peut-être deuxième, un podium. Eh oui, messieurs dames, eh oui! 30 secondes après le premier, mais... Regardez, la progression durant tout le jeu, et je vais échouer à la 5e place, finalement. Merci l'antenne. Rappelons-le. Tu veux faire un petit battle? Ouais, si tu veux, et puis après on terminera par une course en 200 cc. Ah, oui, pour le plaisir. Coupa Goli sur route à 15e. Comme tu veux. Oui, tout à fait pas trop dur. On en fera une qu'on n'a pas montré. Allez! Une bataille. Qui c'est que je joue? J'ai joué avec une clé. Oh, je vais garder mon petit combo, moi j'aime bien. Ouais, je crois que celui-ci, parce que longtemps que j'ai pas joué avec une clé. Je vais prendre le cartoon. Et t'es con, ce cartoon déjà ou pas? Alors, il y a toujours la Mercedes dedans. Oui, j'ai vu ça toujours, hein, t'inquiète. Là aussi, une grande nouveauté sur Mario Kart 8, hein, un DLC sponsorisé. Ouais, gratos. On fait quoi? Bataille, capture du soleil. Ah tiens, c'est une petite capture du soleil, j'aime bien. Ok, alors. Allez, Wooville. Alors, je suis de la 3DS, donc ça c'est la ville où qu'on trouve dans Wii Sports. Où c'est le nom de Wii Sports. Rappelons quand même, retournez dans les vidéos et regardez Wii Sports Resort, vous allez voir que Fan Battle 17 n'est pas forcément très très fort à ce jeu. Enfin, en jeu de sport, je suis plutôt moyen, du temps qu'il faut se mouvoir en fait. Sur les jeux de sport comme ça que j'aime pas trop. Après, vous avez pu voir sur Mario et Sonic. J'étais meilleur parce que... T'es déjà battu à ce genre de jeu. Mais parce que j'aimais mieux ça. Oh non! Villageois. Aïe. Eh hey, hey, Donkey! Même chercher, les gars. Même chercher, je suis là. Attendez que je me protège. Ah! Oh, il s'est fait prendre, c'est qui? Qui l'a? Mario Tanuki, ok. Il est où? Il est où? Non! Ah, j'ai loupé! Là-bas. Il va le gagner, hein! Ah, mais il est dans mon dos. Oh non! Il est en train de venir! Oh là là. Ouais, je me suis cartonné tout seul. Youpia. Il a bientôt gagné, cet enfoiré, là! Oh! Oh non! Je refuse de faire une bataille comme ça où il n'y a même pas une bataille quoi. Ah non, je me suis trompé de côté. Ah, allez pour moi. Non, non, non. Allez pour moi. Un cadeau.
Laissez-moi tranquille. Non, il y a quelqu'un qui est tout seul. Ah non. Laissez-moi tranquille. Ah non. Ah non. Snipez-le. Snipez-le. Oui, le snipe. Oui, le snipe. Je suis passé à travers tes carapaces, littéralement. Oh, ce coup de balle qu'il a eu. Il est où? Je suis perdu. Oui. Oh non, il a mis carte. Aïe. Non. Oui. Ah non, il va gagner. Ah, je l'ai loupé. C'est le pied pour moi. L'erreur. Il est où? L'attitude. Mais j'ai eu, je crois. Non. Là, tu la reprends. Mais non, mais c'est moi qui ai permis de la reprendre. Il va gagner. Oh là là, il n'a pas de moment. Aïe. Défaite puissante pour Réfouille. Pourquoi j'ai 10 points? Parce que j'ai ramassé à mort. Ouais. C'est moi qui l'ai eu le deuxième le plus de temps. Non, le troisième. D'accord. Bon, on a pour une course en 2 sur CC. Ouais, pour le fun. Ouais, c'est bon, on a le temps. On a le time. Allez, course VS. Je garde mon petit donkey. Ton petit donkey, moi j'en ai fait. Le goût à bouffe. Alors, je vais prendre le match qui vient. Allez. 200 CC. On va tenter un podium. Comme tu veux, ce que tu veux. Je veux bien, je parle de bloop. Tu m'as dit un circuit facile, moi je te prends le deuxième circuit le plus facile du jeu. Mais pas le plus facile, il est quand même pas rigolo. Finalement, je me trouve pas si ridicule, hein. Merci l'antenne, mais. On pourra se refaire une battle quand même avec le soleil, moi j'aime bien. Après cette vidéo ou dans la vidéo? Ah, une dernière avant de finir. Allez. Allez, c'est parti. Ce sera pas le premier son de la date qui fera. Non, qui fera plus d'une demi-heure. Il y en a quelques-uns. Il y a Mario Party 10, le tout premier. Et une partie. Le Mario Party 10 qui a battu tous les records. Mais il a quand même plus de 140 vues, je crois. Hein. Oui, il a plus de 140 vues. C'est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Mm. Donc merci. Allez voir le premier épisode de la carrière d'Antonin 1 en Formule 1. Celui-là, il est en train de fonctionner très, oui, très bien. Oui, là, il fonctionne. Je sais pas pourquoi cet épisode-là fonctionne et pas les autres, en fait. Les gens vont regarder que le premier épisode et puis après vous partez, c'est ça? C'est pas sympa. Surtout que les autres sont sympas, hein, parce que ouais, faire quand même une carrière chez Lotus, il faut le faire. Hein. Bah, en Formule 1, déjà, intégrer la Formule 1. Faut le faire. Voilà. Après, certes, bon, c'est que la première saison. Deux Zio, le jeu est vieux. Ouah, c'est rigolo. Trois Zio. Tertio. Moi, je voulais faire un truc RP à la base, c'est pas si RP que ça. Regarde qui c'est qu'il y a derrière toi, mon petit. Non, t'inquiète, j'ai deux carapaces en réserve. Voilà, là, voilà. Qui est venu mettre fin à mes forts. À mon fol espoir. À ton petit espoir. De venir te titiller. Oh non, j'ai pas de bol. Allez, tiens, prenez ça pour la peine. Mécréant. Ah, mais il a déjà fini. C'est quoi, c'est un acte qui pose la manœuvre histoire de me chambrer. Heureusement que vous n'avez pas le festival parce que vous le hurlez. Wouh! Wouh! Fin de bateau. Wouh! Donc merci déjà pour l'accueil de 2010 et merci également pour... Allez, ressort le soleil là, allez, tout de suite. Allez, là. Si tu veux. Alors, merci également une dernière fois d'avoir suivi la série de Mario Kart 8, on est sur le jeu. Premier épisode est près de 200 vues. Hein. Oui, il a... N'hésitez pas à regarder tous les autres parce que s'il fait 200 vues partout, ça sera déjà bien. Hein. Un nouveau... Il y a Bowser Junior qui est nouveau. Oh, il est beau. Il est où le carte de Bowser? J'ai changé mes roues. Tant pis. Zoup. Oh. Capture du soleil. Allez, vas-y.
Arène Bataille 1. Non, Arène Bataille 1. SNES. Ok. Bon, pour terminer cette vidéo. En tant que fan de bateau, pleurer pour la fin. Très drôle. Bah oui, c'est drôle. Il est où le soleil? Il est où? Ok, ça, ce sera coupé au montage. Hein. Au montage, oui, mardi, il y a des pépères. Il est où le soleil? Il est où? Oh, qui c'est qui l'a pris? Ludwig. Von Beethoven? Très drôle. Oh, il a pris le cadeau. Ah non, j'y étais! Non, pourquoi? Ah bah, et pourquoi je l'ai pas eu? Non, faut que tu te touches avec un village en vidéo. Faut que tu te touches avec un objet. Ah bon, je croyais que rien que le bousculer, c'était bon. Oh, Big Harmony! Ça y est, c'est pas ça nous est pas favorable pour commencer, j'aime pas ça. Elle est où? Oh, je l'ai yes! Oh, je me suis fait péter moi-même! Source de vie depuis l'aube de l'humanité. Mais arrête de voler, toi! Donne-moi le soleil! Oui, merci pour ta participation. Ah! Et victoire! Allez, non! C'est qui? Il est où? C'est qui l'a? Oui, c'est moi qui l'ai. Mon petit, tu vas être snipé, je te le dis tout de suite. Allez, montre tes fesses! Ah non, il se cache! Il vole. Oula! Oh non! Le soleil! Oh source de vie! Depuis l'envenu! C'est il a eu la joie! Désolé pour ce gros mot, désolé! C'était dans le feu de l'action, ça arrive ça dans le feu de l'action! Non! Oh non! Il y a le CSA qui va nous couper au montage! Seconde là, oh! Tu es où? Oh! Non! Oui! Oui! Allez, ça relance là! Je suis là, regarde! Je suis dans ton rétroviseur! Ah non! Allez, donnez-moi quelque chose! Non! Fichez-le au villageois! Ah non! Rendez-moi mon soleil, c'est à moi! C'est le villageois, non, c'est lui! C'est celui qui a gagné! Ah, c'est pas vous! Il est où? Mais il est derrière! Ouais, il l'a perdu! Non! Je suis pas loin! Non, envoie là! Non, tu viens de... Qui c'est qui vole là? C'est n'importe quoi! Oh, là, je vais faire le slide de peu! Allez! Ouais. Oh, il est où? Il est pas là! Oh! Alors, c'est Peach! Oh non, il est passé de l'autre côté! Non! Qui c'est qui m'a snipé là? Non, allez, donne-moi quelque chose là! Allez! Encore! Ah non! Je l'ai loupé! Oh non! Oui! Ah non! C'est pas possible! J'y étais! Oui! Il est où que je le snipe, ce petit vaurien? Oh non, il a encore gagné! Allez! Snipez! Oui! Bon, bah, défaite cuisante! Ah, j'arrive quand même à faire troisième encore une fois! Alors, bah, ça fait combien? Ah, bah, ça fait rien du tout! Je ne compte plus! Ça fait 4, 5, 6, 7, 1! Oui! Bon, bah, j'ai gagné quelque chose! Bah, parce que t'as fait un point! Ouais, bon! Il m'a rajouté un point, c'est le fair play, moi je trouve ça sympa! Bon, et bien voilà les amis, on espère que ce retour de Sunday Dad vous aura plu. On se retrouve probablement la semaine prochaine pour un nouveau Sunday Dad et probablement demain pour la suite de Splatoon 2 Expansion. Oula, tout ça? Oui. Quel programme! Et ce week-end, la suite de la carrière d'Antonin 1. Il y avait une petite pause parce que j'étais parti en vacances. Des 2, j'ai eu Go Vacation. 2, 3, il y avait Splatoon 2 Expansion. Et son team manager a essayé de l'aider un peu quand même.
Et de 4, il y a eu le retour de Forza Horizon 4. Enfin, de Forza Horizon 3. Enfin bref, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, bye bye. Ciao.